la très belle surprise hein, de ce championnat de France, la Jeanne d'Arc de Drancy en U19. On va revenir au U17, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est bien fait ça encore. Et l'ouverture du score sur cette longue touche de Noah Djuma. On ne s'attendait pas vraiment à du danger là-dessus. Ce but qui cueille les Parisiens. Et attention, attention à ces Toulousains. Paris va devoir jouer maintenant. Regardez ça, longue touche. La part de Heure. J'ai pas vu qui l'a fait, mais petit, très bon contrôle. Et malgré la présence de Sekou Kouré, Noah Djuma là-dessus qui donc ouvre le score ici à Borgo. Sur cette ouverture de Thomas Cordier, côté parisien. Et là on va pouvoir en plus avoir des ballons de contre dans tous les sens. Regardez ça, ici encore une fois, cette fois-ci c'est Elias Dao. Oh, que dit l'arbitre? Oh là là, et le 2-0, tout le monde s'était arrêté, c'est Amadou Camara qui donne oh là là, mais quelle folie. En deux minutes, la Paris qui est en train d'imploser. Très beau but là de la part de... C'est bien lui, je pense bien que c'est Amadou Camara. Regardez, ça passe en profondeur pour Elias Dao. On se demande s'il y a faute, tout le monde s'arrête. L'arbitre qui arrive, oui, c'est bien lui. Et Amadou Camara, magnifique. Quasiment au point de pénalty. Frappe enroulée. Ah, belle protection de balle. Ouais, on est limite de la faute sur Amadou Camara quand même là. Hein. Vraiment limite de la faute de la part d'Erwan Adonis. Mais regardez ça, c'est très bien fait. Amadou Camara encore. Et derrière, oh, elle est magnifique. Oh, le bijou d'Elias Dao. La magnifique frappe enroulée lunettes. Côté fermé, Dieu que c'est bien fait. 3-0 juste avant la mi-temps. Dieu que ce but fait mal aux Parisiens. C'est coup de Corée là qui est mais dégoûté. Regardez le travail déjà quand même de Amadou Camara est derrière. Pour Adonis. Et donc voilà l'arbitre qui siffle la fin de ces 45 premières minutes. 3-0 les Toulousains pour l'instant qui régalent dans tous les sens. Longue ouverture, très bon ballon. Oh attention là, oh là là, mon dieu, un claquage. Derrière ça peut avoir son importance, c'est très bien fait pour Kerem Chikambou. Aïe aïe aïe, Dieu que c'est dur. J'ai l'impression que c'est Ilyes Sarraj qui s'est claqué. Oh c'est... On va revoir ça. Ah oui, c'est Ilyes Sarraj qui s'est claqué, le pauvre. Ah, c'est Dieu que c'est cruel sur cette occasion. Et Mathis Saka qui va tenter sa chance. Oh, le bijou. Oh, le bijou de Mathis Saka. Monstrueux. Quelle ogive, quelle pépite. Oh, qui est en train de tuer les espoirs parisiens littéralement, ce quatrième but, regardez, tout seul comme un grand. Oh, 25 mètres facile. Oh, elle est splendide. Elle nettoie littéralement la lunette. Splendide victoire toulousaine, 4-1, avec 4 buts magnifiques, rien à dire. Et tout le groupe toulousain, bravo, bravo à eux.